Tout est allé trop vite, hein, on va dire. Hein, parce que, voilà, comme tu dis, ils étaient champions du monde, Barthez, j'ai Lizarazu, Leboeuf. Oui, c'est Donc, vrai. nous avons une Coupe du Monde. Quelques mois avant de cette année, c'était la vie. Si tu compétition au Boumagé, non, après me retrouver au Niom, si Bessiel. Donc, il faut on va dire, trop vite. Après, voilà, comme on dit, en football, en temps, quoi. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial pour moi. C'est quelqu'un qui a joué, je ne vais même pas dire dans le plus grand club de France ni d'Europe, mais dans le plus grand club du monde, l'Olympique de Marseille. Mon invité aujourd'hui, c'est Leyti Ndiaye. Leyti, comment tu vas? Ça va bien, merci. Super? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Merci beaucoup pour l'invitation. De rien. Donc, j'espère que l'Intri Wartan, voilà, de nous servir de quelque chose ni cette année. On Inch'Allah. l'a dit au passage, du aux téléspectateurs. Donc, voilà, dit féliciter ce nous Lyon et gagné Chan du passé. Donc, voilà, dit l'émission va voilà, aboutir si Inch'Allah, Ninko quoi. Boumagé. Inch'Allah. Donc, avant de commencer, qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie? Non, là, j'ai, voilà, de mon IBC, depuis m'a arrêté sur ma carrière. Donc, en 2017, là, raccroché. Voilà, de mon pareil. Donc, c'était prévu, mon DEL, c'est fini. Profiter si famille vit déjà, parce que, voilà, carrière beau secouée là, à moi. Donc, j'ai le temps qu'il faut aussi pour pouvoir rebondir, Paul, si l'année là, il de mon orienté où. Mais si football vit quand D'accord, même. Ouais. super, super. Donc, on va un peu retracer ta carrière. Tu démarres très tôt à 18 ans en national à Louhans-Cuiseaux. Comment se passent tes débuts, déjà de commencer si tôt, et comment se passe ton intégration au club de Louhans-Cuiseaux? Comment tu as intégré le club? Voilà, mon ben agent, mon fille au niveau du pays, mon mettre en contact avec l'entraîneur Louan Cuiseau. D'accord. Donc voilà, moi j'ai commencé si moins 18 ans, d'être 6 mois. Après, voilà, deuxième partie de saison vie, c'est là que je m'ai intégré si équipe première vie, c'est-à-dire en national, ils étaient. Donc voilà, non, le demain, au début, c'était compliqué parce que pour adopter au Benin football, bon, on n'avait pas l'habitude de. Voilà, nous avons le football bi, si niveau bi mou ne konfo, c'est-à-dire en D2 national et tout ça. Donc, adaptation bi, ça va être On a compliqué. compliqué. Donc, mais bon, après, avec coach Mamoun, intégration bi. Voilà, ça s'est fait naturellement après. Ok, super. Ouais. Et je pense que tu t'intègres très bien parce que quelques temps après avoir commencé à jouer à Louhans-Cuiseaux, tu es repéré à l'époque par Jean-Philippe Durand, qui était responsable de la cellule de recrutement à l'Olympique de Marseille. Après, comment les contacts s'étaient faits à l'époque? Non, c'était, voilà, naturellement, comme j'ai dit, dans mon compte de saison Bouba, avec Louan, avec National, mais surtout. Après, voilà, à mon avis, il y a un contact comme Lyon. Maintenant, il faut faire un stage 2 semaines avant de D'accord. signer Marseille. Donc, nous avons dit le nom pour voir si on a adapté au six championnats de la première division. Donc, c'était un peu court quand même, faut D'accord. le dire. Après, ils m'ont proposé un contrat de stagiaire. Et voilà, à la fin de saison, comme à mon avis, il y a une proposition, Marseille, c'est le Bocon. Et Marseille, il me donne proposé, c'était intéressant. OK. Donc, un contrat élite, il me donne 1 an élite et 3 ans pro. D'accord. Donc, finalement, il faut que nous gèlions sur une choix ou de Marseille. Olympique de Marseille. Ouais. OK. Très, très bon choix. Olympique de Marseille, Ouais. meilleur club du monde. Ouais. Du coup, toi, tu arrives à l'Olympique de Marseille l'année juste après la finale de Coupe de l'UEFA. Ouais. Tu arrives dans un vestiaire où on a des joueurs comme Vicente Lizarazu, champion du monde, Fabien Barthez, Steve Marley, Habib Bey. Comment ça se passe de quand quelques années auparavant tu étais ici au Sénégal, Ouais. tu arrives en France, tu joues un peu à Louhans-Cuiseaux et tu arrives dans un vestiaire comme ça? Non, c'est tout est allé trop vite, hein, on va dire. Hein, parce que, voilà, comme tu dis, ils étaient champions du monde, Barthez, j'ai Lizarazu, Leboeuf. Oui, c'est Donc, vrai. nous avons gagné une Coupe du Monde. Moi, quelques mois avant de cette année, c'était la vie. Si
ci compétition bu magé nonu après me retrouver wu ñom ci vestiaire bi donc dafa dem on va dire trop vite après voilà comme on dit en football amul temps quoi exactement donc c'est ça que j'ai vite compris mo ñeu bokk ci bain bi après tassé fone fa ak les sénégalais comme Habib Bey Sylvain Ndiaye ñom tamit ils m'ont bien intégré ci groupe bobu donc voilà moi en début yo xamné c'était bien malheureusement c'est la gagne après am de ligament croisé donc lolu m'a arrêté sa évolution Moi du coup j'aimerais bien savoir nos coups de dés quoi parce que tu arrives à l'Olympique de Marseille tu as dans un vestiaire impressionnant et tu fais des débuts très prometteurs parce que moi je me rappelle si je me trompe pas tu fais même les deux premiers matchs ou les cinq premières journées en tout cas tu avais fait deux matchs après malheureusement tu te blesses et après tu reviens encore tu joues et je pense que tu te reblesses encore comment t'as pu vivre cela cet ascenseur là franchement c'était dur voilà j'étais déçu quand même c'est pour une blessure oui parce que on va pas dire que chance le mon départ bout de main non c'est club boutol non mais bon de me liguer pour y accéder fofu non quoi donc commencer du beaucoup si groupe régulièrement et puis am chance ou jouer quelques matchs jouer deux matchs si dix premières journées donc voilà après moi am ligament croisé bon comme tu sais hein blessure bien comme des mots compliqué c'est la pire blessure pour les footballeurs voilà surtout qu'il y avait beaucoup de dégâts on doit faire une rupture bi am rotule bo xamné dafa won caste d'am ok donc voilà après mu jël temps bu goudou quoi mu def 8 mois pour me ñëwaat ci terrain donc bamu ñëwaaté ci terrain yi après voilà pour amad compétition Marseille abalement Créteil quoi je me rappelle après ta deuxième blessure tu reviens et tu es prêt à Créteil pour obtenir du temps de jeu voilà et malheureusement là-bas tu n'as pas beaucoup de c'est pas comme prévu quoi c'était dans la lancée en fait comme voilà de me togon 8 mois jeu au moins donc ñom dañ ma yobone fofu pour moi am temps de jeu quoi mais même temps de jeu bi fofu faut que mu jël temps pour nga am rythme bi bi war quoi donc moi 9 matchs 12 matchs j'avais même 12 matchs yoy lu bari won le ziman quoi donc voilà 12 matchs yoy ñoo permettront après France commencer wat dima xamat si le saison bobu jeex ma delu ci Marseille Marseille gissat ne nek fokk ma demat ci club bo xamné dina gëna mon joueur quoi donc ma amone possibilité dem Racing Club de Strasbourg à l'époque Papin mo fa nekkon mo me solliciter won pour mo ñew voilà monter le ndon jeu en plus moi un projet bouba donc voilà malheureusement ma yexi fofu au bout de d'une semaine ma gagne ci benen tag amane benen ligament croisé donc voilà après lolu yobone ma ci saison bo xamné c'était quasiment une saison blanche donc voilà lolu mo ralentir surtout évolution bima waron am quoi exactement moi ce que je voudrais savoir c'est que à ce moment-là quand tu enchaînes trois longues blessures comme ça au genou Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, Bayo quoi, continuer? Non, j'avais pas le droit de lâcher parce que de mon côté, que voilà, chance, bima am jogé fi déjà, ñu xam dañ né que yombul nga génn ci lo bi fi ak bon joueur yi amone fi yépp à l'époque, c'était dur déjà, voilà. Donc moi yexi bon niveau bobu, pour man bon ay blessure waruma on ralentir quoi, même si c'était dur, donc lolu motivation la won pour que me delu aussi et puis jouer li nga xamné ni sama chance la won ci voilà carrière bima def quoi d'accord super et du coup après la blessure tu reviens en fin de saison à l'Olympique de Marseille et à l'époque bingi jugé Marseille c'était Albert Aimon le coach et Albert Aimon il comptait pas trop sur toi et à ton retour tu reviens principalement pour jouer en CFA 2 parce que c'était ta dernière année de contrat Albert Aimon se fait limoger et Eric Gerets, il arrive à l'Olympique de Marseille. Et à la moitié de la saison, envers décembre-janvier, il y a beaucoup de blessures en défense. Du coup, on te fait remonter avec l'équipe première. Et je me rappelle, tu fais d'excellentes prestations. Exactement. Tu fais d'excellentes prestations. Et automatiquement, après, on renouvelle ton contrat à l'Olympique de Marseille. Est-ce que pour toi, c'était vraiment une revanche, une sorte de revanche? Une revanche, ouais, et surtout... Voilà, un travail qui a été payé quand même, parce que voilà, ñaari blessure yu goudé non, rééducation bu metti la won, et puis surtout mentalement, il fallait revenir. Donc, je me suis dit que voilà, j'étais fier de ce que j'avais accompli. Après, comme on dit en football, d'ailleurs, toujours
un mal pour un bien. Donc, Exactement. Limoges, Jage ou Albert Emma Bobo, moi, t'as une maman de chance ou voilà, Gareth Soubou de faire une mise à jour, quoi, de faire voilà, jouer une ramener, d'une professionnel. Donc, voilà, c'est le mot de chance ou m'a entraîné avec l'équipe première. Oui. Donc, comme tu disais avant, moi, donc, si réservé la n'école, Exactement. donc, voilà, après blessure, il def que voilà, ma possibilité de jouer, quoi. Puis demander que c'est ma chance, C'est hein. ta chance, Fallait, quoi. voilà, fallait tout donner. Sur deux matchs, après, nous si nous comprendre que nous avons voilà, niveau correct, nous avons joué à écart, quoi. Exactement. Voilà, si nous prolongé après 3 ans, voilà, nous défendre benen allure, nous défendre benen allure sur ma carrière, Benen quoi. allure sa carrière, quoi. Ouais. Et après, tu es prêté à Ajaccio, si je ne me trompe pas, pour vraiment donner un élan à ta carrière, retrouver le rythme. Et ça se passe très bien à Ajaccio parce que tu fais 2 saisons pleines, on va dire, à Ajaccio. Une saison et demie, parce que Oui. 6 mois, là, il m'a abalé. Après, voilà, moi, j'ai Ajaccio 6 mois. D'elle aussi, après, voilà, si là, il tombe avec Deschamps, Marseille. God. Donc, ben, Deschamps, après, même si le Guisnané, que moi, on s'y retourne Bouba, quoi, et que j'avais besoin de compétition, moi, effectivement, pour n'avoir aucune possibilité, pour démarrer le club, ramener. Il y a un temps de jeu, Temps de ramener. jeu. Après, Bouba, d'elle aussi, il y a un monde. Enchaîné, Comme une quoi. chance, quoi, voilà. D'accord. Donc, voilà, conseil le bon ramener. Bon, manque reconnaître que c'est venu d'un grand coach qu'on connaît bien Deschamps. Donc, voilà, aujourd'hui, je salue ça pour que, voilà, chance du Mojohat pour modèle aussi, si c'est mon niveau du marathon après, quoi. D'accord. Et du coup, comment ça se passe à Ajaccio, le changement? Parce que tu es venu en France, tu as fait la plupart de ton parcours à l'époque à l'Olympique de Marseille, et tu fais le changement, tu vas à Ajaccio, et on va dire que c'est le premier club en France dans lequel tu t'installes vraiment. Ouais, un club familial, on va dire. Parce que Ajaccio, du Dëkk Bougandë, il le voit ramener. Voilà, nous avons une ressemblance avec une fille sah, Afrique. Contrairement à Nini Lini bon, ils ont de vraies valeurs. Nous avons un respect cynique. Bon, voilà, nous les encourager dans le bon sens. Beaucoup de tricherie et tout ça. Donc, club le voit ramener, de me ressembler, quoi. Donc, du coup, de mon niveau favori, installé où, nous avons ma responsabilité. Je n'étais pas capitaine, mais voilà, c'est vestiaire, j'avais voilà, droit à la parole, j'avais droit à prendre des décisions et tout ça. Donc, voilà, lors mon Djokhat, c'est ma carrière, Benin et là, mon jeu fait saison complète. Après, voilà, bon modèle, c'est Marseille, c'est le mot Deschamps, Et les maintenant, nègres, voilà, tu bon, es mon petit prêt, quoi. concurrence, lui, quoi, voilà. C'est vraiment un prêt qui t'a donné un statut, on va dire. Effectivement, voilà, Du coup, exactement. tu reviens à l'Olympique de Marseille, encore dans un vestiaire impressionnant, avec beaucoup de concurrence à ton poste, parce que tu joues milieu défensif, en même temps défenseur central. À l'époque, en défense centrale, tu avais des joueurs comme Gabriel Heinze, qui revenait du Real de Madrid. Tu avais, Manchester, oui, qui a joué à Manchester United. Tu as un défenseur que j'apprécie beaucoup, tu as Vitorino Hilton. Tu avais Souleymane Diawara, international sénégalais. Au milieu de terrain, tu avais des joueurs comme Édouard Cissé, Bruno Cheroux, ou encore il y avait Stéphane Biya. Tu reviens avec cette concurrence, et je pense que cette année, tu es venu avec l'état d'esprit de vouloir vraiment t'imposer. Ouais, c'était le moment, comme on dit. Voilà, je me sentais prêt. Après, ce qu'il faut dire que voilà, dernier mon coach Bohamed coach le Bohamed, mon résultat m'a intéressé quoi. Il n'est pas là pour faire des copinages, état d'âme, amoul C'est ben vrai, état les d'âme gens, quoi. Donc voilà, ils donnent des déjà. cadeaux à personne, lui. Exactement, lors du moment où j'ai résultat yi mo am donc bu mu ñëwé mom dafa naturellement dafa battre wat carte yi quoi jox ku nekk chance et puis voilà wax ko ouvertement né nek mom limuy gis entraînement si loolu lay jëlé ay choix am par rapport au match donc so déggé loolu après yow xam nga li la war quoi moy joxé le maximum aux entraînements et puis loolu moma andi ci hiérarchie bi mo ñëw ci place bu baax quoi. Après Souleymane et Gabriel Enze, après moi la tégon quoi, avant Hilton, Oui. nous savons carrière bi mu def ñep gis nañ ko, Ouais. donc mom mu jallalé mo ci kanamu Hilton quoi. Donc voilà, après saison bi déroulée, 2 premières journées il m'a joué titulaire parce que Mbiad il était suspendu, Diawara gagne ci trophée des champions bi. Oui.
Donc, deux premières journées, moi, j'ai joué en tant que titulaire. Et puis voilà, moi, en sélection en équipe nationale, comme on parlait tout à Oui, l'heure, comme on ma a parlé dernière tout à l'heure. sélection, jour où nous allons voyager pour jeudi contre Congo, c'est la luxation De de l'épaule. l'épaule. Donc voilà, lors moment où je suis parti C'est sélection groupe équipe nationale. nationale, je suis parti aussi si hiérarchie Olympique de Olympique Marseille. de Marseille. Donc après, voilà, comme tu sais, football Ça traîne, tourne vite. gars, il y a une place. Après, lors moi, des fois, n'est que saison B pour me jouer à mon C'était jeu un à peu ton temps, compliqué, quoi. quoi. Après, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ta carrière, un peu comme dans la carrière de Abu Dhabi, c'est que malgré les blessures, vous êtes des joueurs, vous parvenez facilement à revenir à votre niveau, que ce soit mentalement ou physiquement. Et on sait tous que c'est pas quelque chose de facile. On a plein de joueurs dans leur carrière, c'est les blessures vraiment qui ont arrêté leur carrière. Et vous êtes arrivé à passer par-dessus cela. Et c'est quelque chose que je tenais vraiment à saluer, quoi. Mais du coup, quand tu reviens à l'Olympique de Marseille cette saison, malgré les blessures, tu joues quand même, tu découvres la Ligue des Champions, tu joues la Ligue des Champions, vous faites une belle saison avec l'Olympique de Marseille, vous finissez deuxième, je pense que vous aviez gagné le Trophée des Champions aussi, Trophée des champions. et vous gagnez la Coupe de la Ligue. Ouais. Franchement, c'est une belle saison. Et ce que je voulais savoir, c'est que émotionnellement, qu'est-ce qu'elle t'a procuré cette saison-là à l'Olympique de Marseille? Voilà, beaucoup de plaisir, beaucoup d'anecdotes. Une saison que voilà, qui a marqué ma carrière, on va dire. Parce que, comme tu dis, niveau bon, faut jouer doucement, mais bon, c'est un vrai bon niveau, Ligue des C'est un champions. très haut niveau. Ligue Voilà, des Champions, c'est un très haut niveau. c'est le rêve de tout un Donc, gamin. c'est ça, Donc exactement. voilà, après on gagne la Ligue, la Coupe de la Ligue. Et puis, mon ex-saison, bon, de mon on n'est que pour moi. Il faut avoir une bonne allure sa carrière, quoi. Parce que wane et puis oubi wane chance yi nga xamné ni mom don daw peut-être moy né que jouer na saison bo xamné à part épaule bi au moins une blessure yo Comment une xamné mon blessure nañ ko noté, exactement? quoi. Donc c'est là mes propositions ay club ligue ñëwaat comme Valenciennes à l'époque, Ajaccio ñëwaat parce que Ajaccio ils étaient montés en Ligue Oui, 1. ils étaient montés. Donc voilà, bonne saison bi jexé, après c'est lañ def point bi ak Deschamps, mune mo do dem comme titulaire, mais mun nga continuer ci hiérarchie bi nga nekkon, quoi. Et comme man, bon, j'étais ambitieux, dama bëggoon dem ci club bo xamné voilà, première division lay nekk et que mo nekk fa titulaire. C'est là delouat Ajaccio, Ajaccio, quoi. quoi. Voilà, je D'accord. veux une saison en Ligue 1. En Ligue 1. Voilà. Super. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as des regrets par rapport à ton passage à l'Olympique de Marseille? Regret, ouais, je dirais les blessures. Parce que blessures, moi, je sais que c'est carrière de joueur, On me moi, freine sa je carrière, quoi. me en général, bon, c'est le moment où le joueur qui gagne sort le bopom pour voir où c'est les gens, quoi. Donc, malheureusement, moi, je suis en cette période où je suis clair, quoi, c'est ma carrière. Mais bon, comme tu dis avec Abou, moi, j'ai une nuit de passage qui est un gars bien aussi. Nous, on est des croyants. Voilà, on se dit que tout se passe dans la tête et que dans nos têtes, dans nos foi, on sait que voilà, li am yeb suñu borom mo koy dogal, Exactement, quoi, c'est mo la koy bëgg volonté ci nit. divine. Donc ñun ay jaam lañ rek, dañu war di joxé et que loolu lañ def ba tay après suñu carrière, on a la tête voilà, on a la tête Vous tranquille, avez quoi. la tête tranquille. Parfait, parfait. Je pense qu'on ne peut pas finir sans parler un peu de l'actualité. On sort il y a bien avant le CHAN qu'on a gagné avec l'équipe nationale locale. On sort d'une Coupe du Monde, on a été huitième de finaliste, on a été éliminé par l'Angleterre. Qu'est-ce que tu penses de la performance du Sénégal lors de cette compétition? Oui, mitigé quand même, parce que xam nga suñu tollé ci dem ba Coupe du Monde rek mu nekk exploit pour ñun Afrique, moy ni nekk liguey bi dess na. Suñu tollé ba ñun Sénégal ak voilà li ñun wone génération 2002, génération bi li ñu wone ci Coupe du Monde, Coupe d'Afrique biñu passé, ñu dem ba 8e de finale du Jubilé, moy ni nekk liguey bi dess na, Amadou quoi. quoi. Donc malheureusement, on sort sur un score lourd, avec des performances yo xamné mitigées quand Oh, même. c'est mitigé. Voilà, je me dis que c'est le moment ñu togat voilà xolaat football bi, def surtout les choix qu'il faut pour que football bi amat benen allure, quoi. Parce qu'on se doit de gagner, amna ñu qualité yi nga xamné mom le équipe yep soxla,
Mais bon, faut que nous liguéat quoi, pour nous liguéat pour la place bien ramener ni, même le numéro de au niveau, voilà. Dans le football quoi. Voilà. Et est-ce que tu penses pas que ça passe par un peu ce qu'on a fait lors du CHAN, un bon football local? Waouh, ouais, quand nous on a connu le football sur le club y a barré, équipe nationale des deux, donc boy ni, boite ni nous des joueurs ni nous signal vous fort. Si ñi nga xamné ñom ñoo nek citoyen bien sain parce que woné nañu ay qualité yo xamné en tout cas ku len dimbali jappalé len bu ñu ñëw ci niveau bi gaay nek donc voilà nañu xolaat football bi au niveau local structurer ko structurer voilà faut que nous structurer ñu organiser ko mu am championnat bo xamné bu relevé le tous les week-ends comme niñu nek ay passionné ñuy mënd di dem le stade sétane di sétane ak suñu famille di voilà di profito di bégué quoi mais dundul football bi quoi voilà mais fokk ñu am courage wax né nek suñu football instant au niveau local dafa soxla liguey bu bari bari amna ci domaine yo xamné nak bo ci duggé fi ni gaay day nek da ngay jël ay risque ça parce que nawétane ak football championnat national fokk ñu def la part des choses fokk ñu organiser ko xol nak lañuy amé championnat bu relevé bo xamné voilà dina jox suñu football local benen vision au niveau mondial quoi. Je pense que c'est comme un peu ce que Malikou avait dit, faut qu'on refasse une refonte de notre football. Comme on peut prendre l'exemple du Maroc. Maroc, ils ont peut-être été absents pendant 5 à 10 ans sur la scène du football, mais ils en ont profité pour se refaire. Ils ont refait leurs infrastructures, ils ont mis en place des centres de formation, ils ont formé des jeunes, ils ont un bon championnat local, ils ont de bonnes catégories de jeunes. Et je pense que le football, c'est ça aussi. Il faut forcément passer par là pour que... Ce n'est pas que l'équipe nationale qui doit être au top. L'équipe nationale, elle est juste la vitrine. Mais il faut que derrière aussi, qu'il y ait quelque chose de solide. Quoi. Ouais. Le plus important pour moi, c'est ça. Hein, c'est structurer le football voilà, avec les sponsors qui doivent venir. Voilà, donner un coup de main. Et que le football de poche, il manque à gérer. Il faut que moi, me ligue solide. Nous sérieux, boy next condition ramené dîner mon performant les week-ends et que pour moi lors le bon côté fait après football bien dîner avance quoi dîner c'est top quoi. Ce que je voulais savoir, quel est le meilleur moment de ta carrière pour toi, ton plus beau souvenir de ta carrière? Ouais, Marseille comme on disait hein, tout à l'heure on rêve le beau ramené ni après on va dire réaliser nago moi jouer du club beau ramené bougon nago avant mo fay dem et que dem na fa amna chance de jouer et que voilà après demeul comme ni moko bougué won à 100% mais bon sante nañ yalla c'est limu ñu dox quoi. Exactement. Et le parallèle, quel est le moment le plus douloureux de ta carrière pour toi? Comme on disait, les blessures. Voilà, les blessures et quelquefois des choix yo xamné ni peut-être avec du recul mënon na ko baña def mais bon après on se dit que faut que moi aie erreur que voilà pour que c'est avec les erreurs qu'on acquiert de l'expérience effectivement donc voilà non la demain quoi mais sante nañ yalla bu baax tay football bi mo ngi ci suñu ginnaw voilà ñu ngi ci aussi ci domaine bi en même temps ba légui mais bon ñu ngi xalat dem ci fu gëna sori ci benen domaine quoi. Inch'Allah. Dans ta carrière, quel est le coéquipier qui t'a le plus impressionné, footballistiquement parlant? Ben Arfa, il m'a impressionné. Ben Arfa. Attends, Ben Arfa, c'était vraiment quelque chose. Après, dans sa tête, on sait que voilà, c'est pas l'exemple qu'il faut donner. Mais bon, le joueur, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Okay. Ouais. Et sur le terrain, quel est l'adversaire qui t'a le plus impressionné? Sur le terrain, en tant qu'adversaire, Aubameyang, impressionné, ouais, au niveau de sa vitesse et tout ça, exécution, donc joueur le moment impressionné. Ouais, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de vestiaire dans ta carrière? Une petite vestiaire, anecdote. Ouais, ben, je dirais pas vestiaire, mais avec l'équipe nationale quand on était jeune. Nous avons un tournoi quoi fi Côte d'Ivoire. Moko don organisé. Donc malheureusement nous dem fa tomber à guerre bi ñom ba seen dëkk bi di am soulèvement bobu. Wow. Donc voilà, ba ñu affaire yi yéwé suñu nekk.
ñoo amoon réaction boo xam ne ma ne copain bi bokkoon ne affaire boobu duñ ko fàtte quoi. Voilà, ça fait rire aujourd'hui, mais sur le coup, tiitoon nañ et que ñu am réaction xam ne saafara yi ñu waroon diwoo dañ ko naan, xam nga, waroon naan ñu diwoo ko. Donc voilà, bon, mu génne ay téeréem quoi, maa ngi koy tooñ de parce que génne ay téeréem takk ko quoi. Donc loolu loolu marqué na ma trop si carrière bi. D' accord. Ok, super. Bon, Lady, merci beaucoup d'être passé dans le duel. Ouais. Et on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Ben, c'est moi qui vous remercie parce que voilà, ça fait un moment que nous sommes aussi médias et tout ça. Mais voilà, c'est une opportunité pour moi. Nous ne savons pas avec le monde du football, on va dire. Et que voilà, yo tamit ñu lay encourager. Merci. Voir si émission bi ngay def di jox nit ñi chance ñu mëna di exprimer wu ci domaine bi nga xamné bon voilà, c'est loolu lañu évoluer. Donc di la ñaanal aussi merci beaucoup. Voilà, réussite totale si lepp li nga bëgg si li ngay def ni quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Inchallah. Allez les gars, on like, on s'abonne, on partage, on n'oublie pas de lâcher un commentaire.